avec ce soir Arnaud Gibois, ouais, Péry Cochard, ouais, Christophe Alévèque, ouais, Sophie Garel, ouais, Annie Lemoine, ouais, et Jean Benguigui. Ouais. Jean, qu'est-ce qui vous arrive, Jean? Ma mère sait pas que je fais de la télévision, donc j'essaie de me planquer un maximum, quoi, c'est tout. Non, plus sérieusement, j'ai une conjonctivite, j'ai très mal aux yeux, voilà. Et très, très, très contagieux. Mais non, oui. Arrête, c'est vrai. T'as des yeux de lapin, tu fais tout comme un lapin, tout le monde le sait. On peut pas voir, non, on peut pas voir, c'est pas beau. Non, je peux vous montrer, non. Quel horreur! Oh là là! Voilà, on dirait un, je vais lancer un téléthon pour soigner mon œil, j'ai pas les moyens. Bientôt, vous allez pouvoir passer dans C'est mon choix. Mais bien sûr. Chez Marianne, nous en reparlerons en fin d'émission. Oh, quelle beauté. Evelyne Thomas est notre Marianne nationale. Hein. Vous avez failli avoir le titre, Annie. Hein. Non. Ouais. Si, si, non. On va pas ouvrir le débat maintenant. Ouais, ouais, le débat sera ouvert en fin d'émission avec le maire responsable de ce choix. C'est son choix, le choix d'Evelyne Thomas en Marianne. Je voudrais qu'on salue quand même Nicolas, qui est le garçon qui s'occupe du public. Qui nous quitte. Et alors, j'ai fait... Qu'est-ce qu'il y a? Bravo. Ben, écoute, je peux le dire, suite aux différentes tentatives de viol de Péry Cochard et Sophie Garel, Nicolas doit s'en aller. Voilà, ouais, il nous quitte. Il ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans. Presque 3 ans, ouais. Voilà. J'ai raté les 6 premières. Vous l'avez quasi jamais vu, vous l'apercevez parfois dans le public. Bon, on ne peut pas tout montrer non plus, hein, mais... mais voilà, on voulait vous le montrer une dernière fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Un calendrier, peut-être un calendrier, truc comme ça. Vie. Maintenant, il vient à la maison. Oui, voilà. Oh, merci beaucoup à tous. Bye bye Nicolas, c'est Johan qui va le remplacer maintenant. Qui va chauffer la salle? Pardon? Qui va chauffer la pas salle? Pas vous sûrement en tout cas. Allez. Pas de problème. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Monseigneur Lacrampe, publiée par le journal La Croix. Oui. Ça ne s'invente pas. Il a fait ses adieux hier en Corse, en la cathédrale d'Ajaccio, puisqu'il vient d'être nommé... Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? En Lacrampe avec l'engin dans les mains, c'est vraiment... Non, on se moque pas. Bon, maintenant, il est archevêque de Besançon, Monseigneur Lacrampe. Je vous vois venir avec vos plaisanteries du genre... Ah, c'est ton... Est-ce que c'est au poignet, patati et patata? Pas simplement, je constate que Lacrampe se tire. Voilà. Écoutez, ne continuez pas, c'est pas la peine d'insister. Il a déjà tout entendu, cet homme-là, et comme il dit souvent, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Allez, une autre photo. Celle de Martina Navratilova, qui reprend le tennis professionnel à 47 ans. Comme quoi, l'andropause, ça la gêne pas. Navratilova défendra, il faut le savoir, les couleurs des États-Unis contre la Belgique en demi-finale de la Fed Cup. La Fed Cup, c'est la Coupe Davis pour les femmes. Et il paraît qu'elle s'entraîne durement. Jeannie Longo lui aurait prêté son vélo d'appartement. Et en Belgique, comme c'est la guerre, vous le savez, en ce moment, entre Justine Hénin et Kim Clijsters, la Flamande et la Wallonne, et ben on se demande qui va jouer contre Navratilova, mais on se dit que bon, à cet âge-là, peut-être qu'Annie Cordy fera l'affaire. Jean, le double. Elle ne joue qu'en double. Hein, elle joue en double. Ah, ouais. Avec une femme qui s'appelle Raymond en plus. Ben oui. C'est vrai, je l'ai toujours attrapé par son passé. Genre. Non, mais moi je trouve ça formidable. En tout cas, ça prouve qu'il y a encore une vie après 30 ans. Mais bien sûr, 47 ans. Oui, c'est 40. Ans. Bah oui. Mais même on après 50. Ouais. Et qui dit mieux, qui dit mieux. Bah ouais. Allez, temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques maintenant. Et on commence par le dessinateur honoré dans Charlie Hebdo qui nous explique pourquoi Michel Rocard s'en est pris aux 35 heures. Il le dit, faire chier le PS, c'est tout ce qui me reste. Le dessinateur Luz, dans le même Charlie Hebdo, nous rappelle qu'Alain Juppé est toujours en plein procès des emplois fictifs. Et d'ailleurs, voici sa ligne de défense. « Je ne sais rien, voyez avec mon secrétaire. » Et c'est toujours le même. À l'évêque.
C'est vrai, quand j'ai vu le dessin, si on enlève, ça peut inspirer une autre légende. Quand on vote, tant qu'on votera pour des cravates, on élira des têtes de nœuds. L'affaire du voile à l'école a inspiré les crayons de certains dessinateurs. Regardez Charb dans Charlie. On en a fait des vedettes, elles ont gagné. Qui ça? Nous sommes deux sœurs voilées, nées sous le signe des rideaux. Pétillon dans Le Canard enchaîné maintenant. Le gouvernement cherche de l'argent désespérément et on voit un type qui dit à Raffarin: et si au lieu de l'interdire, on taxait le port du voile? Aha. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Ouais, encore une idée. Le dessinateur Luz dans Charlie nous transmet le message de paix du Dalai Lama. Je suis fou d'œuf le loup. Le Dalai Lama qui, selon le même dessinateur Luz, a aussi une influence sur le Premier ministre. Regardez, Raffarin cherche un second souffle. Raffarin est tout le temps impeccable. En pape, il est impeccable. En Dalai Lama, il est impeccable. Il est fait pour ça. Tous les costumes. Ah, tous les costumes. Sauf celui de Premier ministre. Cabu dans Le Canard enchaîné. Imagine ce que ça aurait donné si Raffarin avait reçu le Dalai Lama à Matignon. Le voile, c'est pas votre truc, vous, c'est plutôt les rideaux, non? Le Fred Touron nous emmène dans un bureau de tabac et nous dit que les buralistes ont le blues. Et on voit le buraliste qui dit: on vend des cigarettes qui rendent malades et en plus des jeux qui rendent cons. Vous achetez des trucs à gratter, vous, de temps en temps? Ah ouais, et on m'en offre aussi. Ah oui? C'est encore meilleur. Mais mon buraliste, moi, il m'a dit l'autre jour: mais bientôt, je vais être accusé de complicité de meurtre. C'est vrai? Bien. Non, parce qu'il prévient. Ça discute, hein. Attends, attends, mais... C'est tout. Moi, j'aime bien les jeux de hasard. Ah, vas-y, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il va faire, là? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, je sens la colère. J'aime pas quand il est comme ça. Oh là. Je suis en train de gratter un millionnaire. Attends, mais... Attends, et là... Tu veux pas gratter un morpion? Non. Hey, Laurent, il vous répond du tac au tac. Oui. Oh. Annie, je n'ai qu'un mot: banco. Oh. Allez, Sophie, d'habitude. Oh, là. Non. Enfin, Sophie, qu'est-ce qui se passe? Non, bah, si, allez, Sophie, non, une chance. Je ne joue pas à ces trucs-là. Mais moi, si. J'ai ce qu'il faut pour gratter. Mais non. À la maison. Avec Sophie, non, mais... on a une chance au tirage, comme on dit. Après le voile, justement, le string à l'école a inspiré Gross dans Marianne. Pas de string à l'école, et on voit l'élève qui dit au directeur: je l'ai enlevé, monsieur. Le ventre de l'Atlantique, c'est le nom du premier roman de Fatou Diome, sorti le 20 août dernier aux éditions Anne Carrère. Fatou Diome est d'origine sénégalaise et son ouvrage, sous certains aspects autobiographiques, raconte l'histoire de Sally, une jeune femme vivant en France, dont le frère, resté en Afrique, rêve de la rejoindre dans notre pays. Elle tente de lui expliquer que la France, ce n'est pas toujours rose, et encore à l'époque, il n'y avait pas les fameuses lois Sarkozy, mais rien n'y fait. Ce livre est l'un des succès de cette rentrée littéraire. Sally veut absolument venir en France. Fatou Diome, enfin, l'héroïne en tout cas de Fatou Diome, essaye de ne pas... comment je pourrais dire? De l'en dissuader, de quoi? De l'en dissuader, ouais, je cherchais une... Merci, décidément vous êtes là pour m'aider aujourd'hui, Arnaud. À c'est votre bien. Service. Vous serez augmenté. L'héroïne essaie de l'en dissuader. Le ventre de l'Atlantique, c'est cette histoire, un roman paru chez Anne Carrère. On reçoit tout de suite Fatou Diome. Bonne critique, j'ai lu que des bons papiers sur votre bouquin. Il y en a qui aiment les folles. Pourquoi? Vous pensez que vous êtes folle? Ben, c'est un petit délire que j'ai écrit comme ça, enfermée dans ma bulle, et je me suis lâchée un peu. Quelle est la partie autobiographique là-dedans? Sally, Madiké, puis la grand-mère. Puis en fait, c'est pas vraiment une autobiographie. J'ai choisi juste des morceaux d'histoire qui m'intéressaient dans la grosse histoire que je voulais construire. Votre pays d'origine, c'est le Sénégal. Mmh. Vous êtes né là-bas? Oui, au Sénégal. Vous avez quitté le Sénégal en quelle année?
94. 94. Pour la France, tout de suite? Oui, tout de suite. Bon, est-ce que vous regrettez ce voyage? Non, je ne regrette jamais. J'assume toujours les choix que je fais. Et puis, ça nous apprend toujours quelque chose. C'est un itinéraire et il ne faut pas regarder derrière. Et donc, vous êtes toujours de la famille là-bas? Toute la famille est là-bas. À qui vous avez envoyé ce livre? À ma grand-mère d'abord. Même si elle ne peut pas le lire, de savoir qu'elle va toucher le livre suffit à mon bonheur. C'est joli. Et qui d'autre? Puis quelques journalistes pour voir si on allait me chercher pour me tuer ou si on allait essayer de comprendre. Mais... Et apparemment, on essaie de comprendre. Ah, c'est bon. Bonne réaction au Sénégal aussi. Très bonne réaction. Parfait. Or, les réactions ici sur ce plateau. Qui a lu ce livre, Le ventre de l'Atlantique? Tout le monde, je le sais. Mais on commence par qui? Tiens, notre chroniqueuse littéraire, Sophie Garret. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est évidemment, c'est de mettre en valeur toutes ces vraies idées, à savoir le rêve français, l'exil, parce que finalement, ici, là, beaucoup d'entre eux ne réussissent pas, se retrouvent même souvent SDF, sont confrontés à la société française avec tout ce qu'il y a de plus difficile, de plus dur. Et il y a, en dehors du roman autobiographique où on reconnaît tout à fait Fatou, il y a effectivement des personnages, des types de personnages qui sont formidables. Alors, il y en a un qui réussit et qui est l'homme de Barbès qui revient, qui arrose tout le monde et qui est content, qui est fier, et tout le monde est accroché à sa télévision et dit celui-là il a réussi, on veut tous faire comme lui. Il y en a un qui est tellement désespéré qu'il se suicide. Il y a toutes les figures possibles de ce rêve français, et c'est magnifiquement écrit parce que au départ elle parle de foot, elle regarde des matchs de foot pour en parler à son petit frère qui est là-bas. Et d'ailleurs le fameux Maldini, il l'a reçu le livre lui? Non, il l'a pas reçu. J'aimerais bien une traduction en italien pour qu'il puisse le lire. Ah oui, le joueur italien qui quand même est le héros du début du bouquin. Ça fait longtemps qu'il fait fantasmer mon frère. Jean Benguigui. Et moi, j'ai passé, si j'ose le dire, l'après-midi d'hier avec vous. C'était pas désagréable du tout. Et vous, c'était bien. Et j'ai été absolument bouleversé parce que j'ai rarement lu une chose un livre qui raconte autant de choses, qui nous apprend autant de choses sans être didactique, qui raconte tant de mélancolie et de tristesse d'un continent sans jamais le bouquin être triste. Donc c'est un livre qui est à la fois de la grande littérature française et en même temps la tradition des griots. Les griots qui sont les conteurs de votre pays, et où on voit l'histoire de Moussa, l'histoire de la fille mère et tout. Donc moi je trouve que c'est un très grand livre, et je pense que vous êtes un grand écrivain. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Vous avez déjà écrit quelques nouvelles avant ce roman autobiographique. Annie Lemoine, pour l'instant 2-0 dans le camp de ceux qui ont aimé le livre. Ouais. Alors moi je suis pas là pour la juger, pour dire c'est bien, c'est pas bien, j'ai adoré le livre, mais j'ai surtout envie de vous entendre parce que c'est magnifique, vous comprenez, c'est un regard sur nous entre autres, les Occidentaux, nous quand on est chez nous, comment on regarde ces immigrés africains qui viennent nous voir, et puis nous quand on va chez eux, il y a quand même des touristes, vous dites, hein, qui se comportent mal quand ils vont au Sénégal, vous racontez ça très 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 bien. Et alors je vais vous citer juste pour que le... C'est dingue, elle a attrapé les types de pivots, vous avez remarqué? Avec les lunettes. Elle nous fait ses... Annie pivote. On peut pas parler d'un livre si on lit pas trois lignes de ce qu'elle a écrit. Allez-y. C'est magnifique, elle dit... Ma marche occidentale, quand elle arrive chez nous, ma marche occidentale n'a rien à voir. En Afrique, je suivais le sillage du destin fait de hasard et d'un espoir infini. En Europe, je marche dans le long tunnel de la performance qui conduit à des objectifs bien définis. Voilà, il y a la poésie là-bas, puis chez nous, il y a le gris, il y a autre chose. Mais c'est à vous de parler, c'est pas à moi. Alors, comment vous faire parler? Je sais pas, tout est là-dedans. Le regard sur nous, vous... En plus, c'est tellement émouvant, pardon, je vous empêche, mais c'est tellement émouvant parce que l'écriture, elle l'a payé cher. Elle vous dit, c'est à vous de parler, elle arrête pas de jacter. Ouais. Et vous, qu'elle en place une. Ah, ça, c'est le moins. Comme Bernard Pivot, pareil. Tout ce qu'elle dit est vrai. Mais en fait, c'est un regard sur les deux sociétés. Donc, je place un miroir. Vraiment, le miroir est entre les deux sociétés parce que j'aime beaucoup les deux sociétés. Je ne suis pas prête à renoncer ni à la sénégalaise ni à la française. Donc, je pense que le regard que nous portons sur l'Occident, les critiques que nous formulons parfois sur l'Occident ne peuvent être valables qu'à partir du moment où nous acceptons de poser ce même regard sur nous-mêmes. Donc, il y a des choses que nous critiquons et il faut accepter de passer un coup de balai pour certaines choses, garder d'autres choses. Et donc, en parlant de la France, je n'aime pas quand on critique la France comme ça, gratuitement. Donc, et je m'octroie le droit de le faire parce qu'au nom de l'amour que j'ai pour ce pays et aussi au nom de l'amour que j'ai pour le Sénégal, je tape sur les deux. Moi, je peux le dire parce qu'après, je peux dire j'adore les deux, de toute façon, et c'est vrai. Christophe à l'évêque. Alors, je ne l'ai pas lu en entier.
Je le dis, non, mais très honnêtement, hein, je préfère, j'en ai lu la moitié, mais parce que tout simplement, je voulais le lire dans le train. Et à l'aller, je suis tombé sur des industriels avec leur micro-ordinateur qui n'arrêtaient pas de parler. Ils vendaient des tuyaux, donc je sais tout sur les tuyaux. Ensuite, j'ai changé de place et il y avait deux pipelettes au téléphone, donc je connais tout sur leurs amants, leurs problèmes, etc. Au retour, j'étais à côté d'un mec qui ronflait. J'ai changé de place, je suis tombé, mais ça c'est vrai, sur un manchot qui essayait de manger. Donc j'ai ramassé tout ce qui tombait. Je rentre... C'est horrible. Non mais c'est vrai, alors moi le pauvre, évidemment tout tombait. Ça alors, c'est la critique littéraire. Voilà. Et j'arrive chez moi, je me dis quand même, je me mets dans le canapé, là je vais pour continuer le livre, et là les marteaux-piqueurs qui se mettent en route. J'ouvre pour gueuler, et là hop, des Sénégalais. Je pouvais pas gueuler. Je leur ai bien dit, je suis en train de lire le livre de Fatou. Ils cherchaient à marquer leur territoire, ouais, avec le marteau-piqueur. En tout cas, je n'ai qu'une seule envie, parce que je suis quand même allé jusqu'à la moitié, je n'ai qu'une seule envie, c'est de finir. Voilà. Mais, simplement, petite remarque, vous n'êtes sur le racisme, qu'il soit d'ailleurs africain ou français, n'êtes pas très optimiste. C'est-à-dire que la seule façon de s'en sortir, moi je suis un peu d'accord avec vous, c'est l'intelligence, non pas forcément la culture. Et ça me rappelait un peu quand même cette phrase, je ne sais plus quel auteur, qui dit « Le racisme, c'est comme la drogue, si on ne fait rien, ça va durer des siècles, et si on fait quelque chose, des centaines d'années seulement. » Oui, mais c'est aussi une maladie contre laquelle on peut se vacciner. Il suffit d'ouvrir les yeux et de respecter les autres. D'être intelligent, donc. Voilà. Perry Cochin. J'ai plein de questions à vous poser, déjà, sur le choix du... Pas de bol pour vous. Non, mais pourquoi questions... Alors, d'abord, le choix du prénom, Sally, pourquoi? Est-ce que c'est un prénom sénégalais ou est-ce que c'est un prénom qui est chargé de symbolique, parce que Sally, salir, salissure... Mais c'est un sac à dos, le prénom Sally. Donc, Sally Mata au Sénégal, c'est un prénom. Oui. Le diminutif, c'est Sally, mais avec S-A-L-I, d'accord, tout court. J'ai ajouté le E comme ça, à cause du participe en français, la d'accord, fille Sally I-E. Donc, quand on lit le roman avec l'histoire du marabout, cette petite fille innocente, on va abuser de son innocence, on va la mêler aux histoires tordues des grands, et bien elle est Sally, son innocence est Sally, elle perd sa pureté. Le okay, jeu de mots était volontaire. Ouais. Parce que fait, normalement, non, c'est l'inverse, voulais... hein, c'est le garçon qui salit et la fille qui nettoie. C'est belle. Là, encore une fois, ça n'a pas changé, c'est le marabout qui salit, en l'occurrence. Donc, c'est toujours un garçon, voilà, qui alors, joue le mauvais rôle. Fatou Guillaume, est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire le prochain? Mais j'écris tout le temps. Vous écrivez tout le temps? J'écris tout le temps. D'ailleurs, là, pour mes nuits d'hôtel, j'ai mon petit portable et je lui fais des déclarations d'amour tout le temps. Donc, il m'écoute, il est gentil et il fait tout ce que je lui demande. C'est con, vous êtes tout seul avec un portable dans une chambre d'hôtel? Mais il n'y a rien de plus adorable. Je m'invente des tas de personnages tellement différents et bon, on va qui ça, me racontent des tas de choses. On va venir vous voir. Vous vous filmez, par hasard? Et vous l'emmenez dans le train, votre portable, votre ordinateur? Oui, mais quand il y a un monsieur qui veut lire Le ventre de l'Atlantique, j'ai un portable. Très bonne réponse. Le ventre de l'Atlantique chez Anne Carrière. Elle est très drôle en plus. Beaucoup d'humour. Bravo. Merci Fatou Guillaume. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci. Depuis quelques jours, à Londres, un mystérieux individu, vêtu d'une combinaison totalement ringarde, sème la panique parmi les policiers anglais, les célèbres Bobbies. Oui, car cet homme est devenu le justicier des automobilistes, à lui tout seul, des automobilistes victimes des contractuels. On le surnomme là-bas, en français, super saboteur. Et son super pouvoir, c'est qu'il lui faut moins d'une minute pour enlever les sabots posés par les pervenches sur les voitures. Un coup de fil et hop! Il arrive tout de suite avec sa cape, son masque, on le voit sur cette photo, et il a une sorte de scie bionique, et il libère les voitures des sabots des contractuels. Bon, il arrive très vite, sauf quand, évidemment, il y a grève de métro, parce que là, il y a une petite demi-heure d'attente. Avant d'interviewer sérieusement Super Saboteur, Dan Bolander, qui est lui super caméra cachée, a fait la rencontre de Super Pévateur. Regardez, ça c'est une blague, sous les caméras de Benoît Cresson. Thank you.
mais si Dan Bollander, j'ai testé le super-héros anti-PV. Anti-PV. Ah, super PV à tort. Ah, mais vous êtes mal garé, monsieur, hein. Bah, je m'en vais, alors. Bon, c'est trop tard, de toute façon. Là, vous êtes en livraison. Attendez. Je comprends, mais là, vous êtes sur... Je suis Super PV à tort. Je suis venu pour libérer les automobilistes contre l'impression des contraventions. C'est qui, lui? Je sais pas, je connais pas. Oh, monsieur, là. Oh, monsieur, là. Et oh, vous dites à votre ami qu'il arrête. Ah, mais je sais pas, moi, je le connais pas. Bah, je vous remets une deuxième contravention, monsieur. Je suis désolé, mais attendez. Et comme fait exprès, il sort de nulle part et il arrive. Eh ben, j'étais aussi surpris que vous. Arrêtez de dire que c'est mon pote, putain. Moi, je connais lui, je connais pas. Je suis l'ami des automobilistes. Je suis venu pour sauver les automobilistes de l'angoisse. Arrête, arrête, parce que là, il y a des contraventions. Vous lui dites d'arrêter, c'est mais je le connais pas, ce type. Mais arrêtez. Ah, monsieur, monsieur! Monsieur! Ce mec-là. On déchire pas la contravention! Qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'en sais ça, rien pas qu'on voit! Attendez, il a déchiré la contravention là! Bah oui, mais il est dingue! C'est tout ce que vous avez trouvé pour faire sauter les PV, monsieur? Mais... Donc vous dites à votre ami que c'est pas le carnaval non, là? Mais je rêve! Mais il vous recrute où vous? Je viens de vous mettre un PV, ouais. D'accord? Il y a votre ami qui arrive et qui le déchire! Mais c'est pas mon ami! Si c'est un abruti, qu'est-ce que j'y fasse moi? Ça, c'est pas mon pote, je te le dis! C'est quoi ça? Mais il est fou ce mec, mais qu'est-ce que vous faites? Tu vois? Mais ça va pas, non? Et je remets une contravention. C'est pas moi ça, oh, je sais pas, c'est fou. Oh, c'est ça, ouais. Je te jure, monsieur, je te jure. S'il te plaît, s'il vous plaît, monsieur. Non, attendez, madame. Je vais vous donner la contravention, d'accord? Je sais pas, mais non, je te jure, Il y a un super-héros qui arrive et qui déchire la contravention. Mais c'est pas moi ça. Pourquoi c'est notre ami? C'est une fou. Je viens d'arriver à l'instant, monsieur. Oui, mais attendez, oui. Je viens de me garer. Bon, monsieur. Allez. Je suis Super PV à tort. Je viens défendre les opprimés automobilistes. Oh, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur. Monsieur, vous dites à votre ami d'arrêter, s'il vous plaît. Je connais pas, monsieur. Écoutez, c'est pas vrai, ça. C'est tout ce que vous avez trouvé comme moyen pour faire sauter vos PV? Je le connais pas, ce monsieur. Ce qu'on va faire, pour qu'il n'y ait pas d'amende, je vais faire un rapport et vous allez me décrire ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez vu alors? Alors, un monsieur déguisé en vert ou rouge, avec un micro et un chapeau qui faisait des... Avec un chapeau. Oh, il est là! Il est là! Il est là! Alors après le Super Pévator, imaginé par Dan Bollander et son équipe, on va accueillir Super Sabotor. Le vrai, hein, c'est pas une blague, voici Super Sabotor. Votre nom? I can't give my Christian name, I'm afraid. Non, je ne peux pas donner mon prénom, malheureusement. Mon nom est mon surnom, en fait. Voilà, on vous appelle Angle Grinderman, en Grande-Bretagne. Comment ça vous est venu, cette idée de saboter les sabots, en quelque sorte, de pouvoir enlever les sabots? Je crois que Jean-Yann, en France, un humoriste, chez nous, avait fait ça il y a de ça Il a fait ça, c'était en 68, voilà, je vous apportais des photos, on avait des sabots d'envers. Il avait enlevé une épingle de mon chignon, à l'époque, il m'ébouriffait beaucoup, et avec une épingle à cheveux, il avait réussi à enlever les sabots d'envers. Ça avait fait un scandale absolu, parce qu'il arrivait à les décrocheter avec une épingle à cheveux. Alors vous, comment vous faites, et comment l'idée vous est venue? Well, for a long time, en fait, pendant un certain nombre d'années, j'étais très en colère avec l'attitude arrogante de nos hommes politiques. Les automobilistes en Angleterre sont totalement persécutés comme dans aucun autre endroit de la planète. Et plutôt que de représenter l'opinion publique, il me semble que ces hommes politiques n'ont pour but que de mettre en place des impôts, des taxes pour payer leur propre mauvaise gestion. Alors, techniquement, comment vous avez trouvé le truc pour enlever le sabot? J'ai dû chercher moi-même, car il n'y a aucune école qui vous annonce comment être super-héros pour enlever les sabots. Et en fait, l'effet catalyseur, c'est quand j'ai dû enlever moi-même un sabot à ma propre voiture. Jean Benguigui. Dès la première fois, vous avez mis ce costume,
Ou c'est peu à peu, au fur et à mesure, vous êtes construit ce costume? When I was Will Clamp myself, the first time I did, la première fois que j'ai eu ce problème, je n'avais pas le costume. Mais après avoir enlevé le premier sabot, ça a été mon sabot de ma voiture, j'ai mis une photo sur la vitre de ma voiture avec un sabot coupé en deux, avec ma photo donc de moi en train de couper, avec une espèce de note, dire au père Vanche de ne pas me mettre de sabot car j'étais très sensible. Et en fait, j'ai eu vraiment de bonnes réponses, des réponses positives, des réactions positives de la part du public. J'ai donc décidé de populariser. Votre bilan psychiatrique, monsieur, il est comment, votre bilan? En fait, la plupart des psychiatres disent que mes personnalités multiples sont parfaitement en ordre. Est-ce que les flics anglais vous recherchent vraiment? Non, je ne crois pas que la police me recherche. La police a vraiment de meilleures choses à faire que ça. Par contre, les conseillers municipaux de Londres, oui, je crois qu'ils me cherchent. Mais bon, ces conseillers municipaux n'ont aucun pouvoir d'arrêter quelqu'un. Il faut absolument que la police me voie en flagrant délit. Sans ça, ils ne peuvent agir, sauf s'ils agissent au nom des conseillers municipaux. Comment on fait pour vous joindre quand on a besoin de vous? Vous avez un numéro de téléphone? Tu regardes dans le ciel. Non mais, j'ai un sabot à ma voiture. Oui, je peux venir en volant. Mais j'aime pas tellement crâner et montrer mes super pouvoirs. Pour aller dans son sens, pour faire le parallèle quand même avec ce qui se passe en France et en particulier à Paris, comme par hasard, les voitures qui sont emmenées à la fourrière sont les voitures qui sont garées le plus près de la fourrière. Si. C'est-à-dire que t'as la fourrière qui est ici et tout ce qui est et là. Eh bah, déguise-toi en Superman et vas-y. Mais les gens vont me reconnaître. Christophe, moi je me gare directement à la fourrière et je suis tranquille. Vous avez d'autres copains super-héros, non, à Londres? Non, malheureusement, non. Mais j'aimerais rencontrer Wonder Woman, par contre. Elle est à côté de moi. It's me. Ça va être un jeu d'enfant pour la police de vous avoir parce qu'ils vont vous piéger. Non, en fait, je fais très attention. Dernière question, peut-être un peu plus polémique. En tout cas, je vais essayer de vous taquiner un peu là, parce qu'il n'y a quand même pas finalement des combats plus importants que celui-là. Dépenser autant d'énergie, mobiliser autant de temps à finalement enlever les sabots, l'histoire de PV. Il n'y a pas des choses plus importantes dans la vie comme combat à avoir que ça? Il y a des choses beaucoup plus importantes. Mais il fallait que je fasse quelque chose de théâtral pour porter cela à l'attention publique. Mais oui, il y a des thèmes plus importants, c'est certain. Mais mon message va au-delà des radars ou des problèmes de trafic ou des problèmes de sabots. Et j'aimerais dire aux personnes que les hommes politiques sont censés travailler pour le peuple. I recognize you. Hello. Je te connais. You are super sabot. You have to follow me. Il faut me suivre. My big power tool. Vous n'avez pas peur des policiers français? Mais il n'y a pas de problème parce qu'avec mon outil magique, je peux couper les menottes. Ah. No prison can hold me. Aucune prison ne peut m'arrêter. Angel Gwindelman. Thank you. Super saboteur qui repart avec Christophe. Et c'est pas fini. Depuis des années, l'association des Marianne d'Or, composée de 400 mères, a pour fonction de désigner laquelle de nos plus belles femmes françaises aura l'honneur de prêter ses traits à Marianne. Ce buste célèbre qui symbolise notre République, vous connaissez tout ça. Et maintenant, voilà qu'on apprend cette semaine que la prochaine Marianne sera... C'est la mère Denise. C'est presque. C'est bien vrai, ça. C'est Evelyne Thomas. Evelyne Thomas qui servira de modèle à la statue. Alors oui, ça paraît surprenant, mais c'est le jury qui en a décidé ainsi. C'est son choix. L'avantage maintenant, c'est qu'on sait ce que font nos élus tous les jours à 13h55 au lieu de bosser. Thierry Marquet est très républicain, il a testé pour nous, inauguré le nouveau buste de Marianne. Regardez cette caméra cachée par Frédéric Gilbert avant qu'on reçoive Alain Trampoglieri, qui est le secrétaire général des Marianne d'Or. Caméra cachée d'abord. Bonjour, Thierry Marquet. J'ai testé inaugurer le nouveau buste de Marianne. Bah,
Bernadette, posez ça sur la table. Bonjour madame, excusez-moi, on est avec madame Chirac et avec une équipe télé et on aimerait inaugurer le nouveau bus de Marianne. C'est pour le journal de France 2 ce soir. Il faudrait juste un adjoint au maire ou le maire. Bien sûr, ravi. Mais en fait, il y a une nouvelle Marianne qui a été élue par les maires de France. C'est Evelyne Thomas. C'est Evelyne Thomas, monsieur. Il faudra simplement lire un discours. Bon, alors écoutez, où voulez-vous qu'on se mette? La salle du conseil, ce serait l'idéal. J'ai l'honneur de dévoiler la nouvelle figure de la République française, Evelyne Thomas. C'est à vous. Entre dans la maison de la République. Non, attendez, non. C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est la caméra. On refait du début. Entre dans la maison de la République, Evelyne Thomas. Vous qui incarnez chaque jour le bon goût, l'élégance et la distinction à la télévision publique française. Non, télévision. À la télévision publique française. Stop, stop, on a oublié l'écharpe. Vous me dites quand je débute, quoi. Ah là, vous débutez, on le sent. Hein. Allez-y, c'est parti. Il manque... À... Non, je me suis trompé là. Il manquait, c'est l'imparfait. Si vous acceptez de le faire, faites-le correctement, faites-le sérieusement. C'est mais je le fais correctement. Écoutez, ne dites pas, je ne le fais pas correctement. Nous sommes heureux de vous avoir élu pour symboliser Marianne, une image qui vous correspond si bien. Pas une image. Une image qui vous correspond si bien. Vous qui incarnez chaque jour le bon goût, l'élégance. Non. Écoutez, alors là, il va falloir choisir un autre acteur, hein, parce que... C'est pas ça, c'est pas une question d'acteur. Vous faites un discours, monsieur. C'est l'image entière de la France qui s'en prend. Oui, j'ai vu, mais alors, je démarre comment? Bah, vous démarrez comment? Il suffit de commencer à lire et vous démarrez, monsieur. Moi, j'arrête. Ah non, mais monsieur, vous avez... Ah non, j'arrête, moi. Votre performance n'est pas non plus extraordinaire. Oui, mais moi, je sais pas si j'ai une mauvaise performance, si je me fiche éperdument de ça. C'est la façon dont vous avez de conduire les gens dont je déteste. Et ça, je le dis devant madame Bernadette Chirac, c'est comme ça. Il va? Non. À mon top. Vous me dites le top, alors. Donnez le top. Top. C'est l'image entière de la France qui sort grandie de votre élection. Ah, vous m'avez dit d'arrêter à l'élection. Mais non, vive la République. Vous pouvez pas dire vive la République. Ça fait quand même 10 fois qu'on recommence. À chaque fois, c'est la même histoire, c'est nul. Bon, écoutez, vous stoppez. Sinon, moi, je vous laisse là, avec tout le respect que j'ai pour madame Chirac, et vous repartez tel quel. Faites un point, c'est tout. Pas ça devant madame Chirac. Vive la République. Vive la France. Vive Fontenay-sous-Bois. Vive Evelyne Thomas. Allez, comme promis, accueillons tout de suite le secrétaire général du concours des Marianne d'Or, concours qu'il a créé il y a 20 ans avec Edgar Faure. Voici M. Alain Trampoglieri. Bonsoir Laurent. Bonsoir, c'est pas déjà Evelyne Thomas, ça, hein? Eh non. Je l'aurais reconnu. Alors là, je vous ai amené... Bardot. Brigitte Bardot, et c'est l'original qui a été créé en 69 par Aslan. Et l'avantage, c'est que, regardez... Elle est signée. Elle est signée et estampillée. Et qu'est-ce qu'elle a écrit? Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Elle est qui votée Front National. Je sens que ça va être chaud. Parce que dites donc, alors, ne noyez pas le poisson, là. J'ai dans les mains un communiqué de presse assez incroyable. Ah, ben heureusement que je l'ai eu, ce communiqué de presse. Autrement, je ne serais pas venu à cette émission. Vous êtes au courant un peu? Mais bien sûr. C'est incroyable. Démenti. Depuis quelques heures, une information est diffusée, largement relayée dans la presse, selon laquelle une Marianne 2004 aurait été choisie par un groupe de maires. Afin d'éviter toute confusion, l'Association des maires de France, c'est toujours M. Delevoye qui m'a... C'est M. Daniel Hoffel, qui est un personnage alsacien très fort sympathique et qui est un ami proche. Bah, ça n'a pas l'air. Il dit qu'il mais tient... C'est pas signé, c'est anonyme, votre truc. Vous là. Croyez? Mais c'est un fax. Écoutez, en communication... Mais dites-nous la fin de l'histoire. Alors, quoi, je dis, tiens à préciser de façon très claire qu'à aucun moment et en aucun cas, l'Association des maires de France n'a pris part à une telle opération. Exactement. L'Association des maires de France dément toute implication ou participation au choix de Mme Evelyne Thomas comme nouvelle Marianne. Alors, c'est un faux? Alors, non, vous avez lu mon communiqué. Ouais. Alain Trampoglieri tient à faire savoir que l'Association des maires de France n'est pour rien dans le choix d'Evelyne Thomas.
C'est emmerdant quand même, non? Pas du tout. On croirait à la guerre des Miss France. C'est pas tout à fait ça. Je vais quand même expliquer. On veut comprendre, on veut comprendre. On a l'impression d'être assez mon choix d'un seul coup. C'est mon choix, justement. Non, mais je comprends pas. Il y a une association des maires de France. Oui, alors je vais vous expliquer. Et votre club. C'est quand même la première fois qu'il y a une polémique autour de Marianne. Formidable. Moi, je dis toujours. Comment formidable? Mais je vais vous dire, pour passer dans une émission de télévision et pour faire une bonne communication, il faut 50% de polémique et 50% de démenti. C'est gagné. Marine Le Pen directement, ça faisait encore plus de polémique. Mais c'est n'importe quoi, votre histoire. Nous sommes là. Si c'est la polémique qui vous intéresse. Non, pas du tout. Je vais vous dire. Il veut faire parler de lui, donc. Il y a 20 ans, je décide avec nos amis de lancer un concours pour renouveler ce buste de Marianne. Très bonne idée. Et en 83, nous décidons d'honorer Catherine Deneuve. Alors attendez, Brigitte Bardot, c'était pas déjà vous? Ah non, mais ça c'est 69, j'étais pas né, Laurent. En revanche, Catherine Deneuve, c'est vous oui, déjà. Oui, en 84. Catherine Deneuve, Inès de la Fressange, Sophie Marceau. Non, pas Sophie Marceau. Laetitia Casta, la dernière. Non, Laetitia Casta, le congrès des maires de France a dit, on nous fait de l'ombre, on va lancer un concours. Donc il y a bien deux comités. Mais écoutez. Ah mais c'est dingue, c'est comme Miss France. Mais oui. Ah, mais on a tout... Ça y est, on finit par comprendre un peu. Non, mais il n'y a pas de comité. Mais son chapeau, je ne l'avais pas reconnu, mais c'est ça. Il n'y a pas de comité, parce que la L'Association des maires de France est pluraliste. Elle est là pour défendre auprès des assemblées, des gouvernements, la cause des collectivités locales. Elle n'a pas vocation à faire un concours de Marianne. Mais enfin, quand même, si je comprends bien, ce n'est pas Evelyne Thomas qui succède à Laetitia Casta, puisque ce ne sont pas les mêmes maires qui l'ont choisie. On ne va pas faire la guerre des Mariannes. C'est ce que vous êtes en train de faire. Oui, pas du tout. Mais il y aura laquelle dans les mairies? Il n'y a que ceux qui veulent l'acheter qui l'achètent. Ah, bah c'est bon, on est sûr. Et pourquoi aujourd'hui vous avez décidé d'élire de trouver une nouvelle Marianne? Parce que Laetitia Casta. Pourquoi Libération a changé de maquette? Pourquoi vous changez de format? Pourquoi. Parce qu'elle mange trop. Voilà. Non, mais pourquoi c'est pas les mêmes qui décident de la nouvelle? Parce qu'il y a deux comités, comme vous le disiez, cher Laurent. Mais non, mais ça, c'est la France. Ce n'est pas un choix officiel. C'est pas quelque chose. Il n'y a pas de choix officiel. Bah, il faudrait pourtant, attendez. Alors, donc, moi, demain, il faut que la République. Ah, oui, nous, demain, on va décider d'élire une Marianne et hop, on va faire des buts. Et on va prendre Claude Sarraute. Bien sûr. Vous savez que votre présence ici, c'est terrible ce que vous faites à Evelyne Thomas. Parce que hier, toute la France pensait que les maires avaient vraiment choisi Evelyne Thomas et on est en train de s'apercevoir que la pauvre, elles vont pas tripette pour être mariée. Mais c'est la vérité. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais pas du tout. Michel Delpech avait déjà changé les paroles de sa chanson. Mais c'est terrible ce que vous êtes en train de dire pour cette fille. Que Marianne était jolie. Non, mais vous ne demandez pas comment elle a été élue. Oui. Et il chantait Tiens, tiens, voilà du boudin. En train de dire que finalement, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Non. Bon. Je suis hallucinée. Alors Laurent, on pourrait faire une chose. Je serai d'elle. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de refuser. Ben oui, évidemment. Franchement, si c'est pas une vraie Marianne, si c'est une vraie Marianne, elle sera dans les mairies. Par combien de maires, par exemple? Combien 400 maires. Sur combien de maires en France? 36 000. Oh, minoritaire. Mais quand les professionnels des Césars du cinéma, M. Benguigui, votent, arrêtons. Combien de maires avaient choisi Laetitia Casta? Il ne faut pas comparer Marianne avec les Césars. Mais ce n'était pas un vote, c'était un mailing. Attendez, parce que là, on a... Amélie Poulain. Il est malin. Vous êtes fort. En fait, il avait décidé de faire des télés. Il s'est dit, on va prendre un truc qui fait parler Evelyne Thomas. Tout le monde va se dire, c'est bizarre. Ouais. Hop. Mais la pauvre, vous imaginez ça, moi qui étais prête à l'attaquer, maintenant, dans un seul coup, je la défends. Parce que je me dis, c'est terrible ce que vous lui faites. C'est terrible. Vous êtes en train de la faire passer pour une fille qui ne méritait pas une Marianne. Mais qui mérite la Marianne. Avec une polémique. Mais c'est quoi cette émission de télévision? Je demande un droit de réponse. Allez-y, vous êtes sûr. Vous êtes là. Non, attendez. Non, droit de réponse, mais moi, je vais finir par mettre Bataille et Fontaine sur un billet de 5 euros. Je vais moi, je vous pique la statue. La cassez pas, Christophe. Faites attention. Christophe, faites attention. Je ne vais pas la casser. Je voulais savoir quelle matière c'était. Mais posez-la.
Non, je crois qu'on peut prendre un peu de notre temps pour parler des, du on formidable de travail. Nous, non, on voudrait comprendre. Des maires de France. Alors, le vote. Comment ça? Non, les maires, on s'en fout. Ils viennent ici souvent, les maires. On connaît leur travail, on le sait, on vote, on est républicain. Moi, j'ai voté. Je connais le travail des maires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on a choisi Evelyne Thomas et qui a choisi. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Depuis... C'est pour ça que vous êtes ici. Exactement. Depuis 20 ans, ça fera 20 ans cette année, tous les ans, nous avons 20 maires qui sont nominés. Et c'est ces 20 maires-là qui ont choisi. Et non, ils sont 400 depuis. Trop simple. Ah oui. Comment se fait-il qu'il n'y en a que 400 et parce pas 3 000 et pas 12 000? Mais je ne vais pas récompenser tous les ans 3 000 initiatives. Non, je prends les 20 meilleurs. Je ne vous parle pas de cela, je vous parle de votre comité. Depuis 20 ans, il prend les 20 meilleurs. Voilà. Et ça fait 400 depuis 20 ans. Il réunit les 400. Et comment vous expliquer? Là, vous allez me répondre que par miracle, à l'unanimité, 400 maires aient choisi Evelyne Thomas. Il n'y a pas unanimité, parce que je vais vous dire. Ah bon. Il y a des bulletins où il y avait marqué Cécilia Sarkozy. Dans la presse ce matin, on nous dit unanimité. Non, unanimité à la majorité. Majorité à la majorité. Non, la majorité. Les magouilles. Imagine Thomas, je me tire une balle à la tête, un truc pareil, c'est pas possible. Pourquoi je tire? Mais vous plaisantez. Et qui fabrique les statuts des emplois fictifs? Et je vais vous dire, en vérité, c'est une indiscrétion qui est sortie parce que nous nous réunissons le 19 novembre. Et c'est une indiscrétion qui est sortie chez le chroniqueur Paul Vermus de VSD. Et quand la rédaction a vu cette ligne d'écho, a dit... Ah ben ils ont fait un super coup. Évidemment, ils ont eu raison à VSD. Et la preuve, c'est qu'il est encore temps de changer maintenant. Non, il n'est pas temps de changer. Si. Elle sera Marianne. Nous avons rendez-vous avec le sculpteur. Elle sera votre Marianne. Elle sera la Marianne de la France. Non. Mais oui. Déjà d'autres maires disent on n'est pas d'accord. Mais donnez-moi des noms, c'est anonyme votre truc. Ça sent l'embrouille votre histoire quand même. Non, mais non. Non, non, parlons clair. Comme disait un pote, il y a embrouille. Comme disait un pote, il y a embrouille à Pipoland. Hein. Mais non. Non. Monsieur, Trompogli. Appelez-moi Trompo. Trompo, si vous voulez. Trompo, allez, Trompo. Trompo. On voudrait, uniquement pour que tout le monde, là, tous les téléspectateurs de France de ce soir comprennent, sur toutes les Mariannes, quelles sont celles qui ont été désignées par le même comité, quelles sont celles qui ont été désignées par un autre comité? Par exemple, Brigitte Bardot, on la met... Alors, je mets Brigitte Bardot par là. Catherine Deneuve. Par moi. De l'autre côté. Ouais. OK. Mireille Mathieu. Par le sculpteur Aslan. Et Johnny Stark. Non, c'est jamais les mêmes alors qu'ils choisissent. Ah mais c'est abordé, mais on nous l'a jamais dit ça alors. Non, mais alors attendez, on continue. Ensuite, Catherine Laetitia Deneuve, Casta. C'est vous, Laetitia Casta. Laetitia Casta, c'est pas moi. Inès de la Fressange, c'est vous. Inès de la Fressange, oui, c'est moi. Vous avez qui? Inès de la Fressange. J'ai, oui, mais j'ai. De votre agence. Regardez ce qu'il y a sur l'écran. J'ai une Marianne de Jacques Faisan. Et Pinocchio. J'ai des Mariannes de Sopic. J'ai des Mariannes de Marianne d'Or. Parce qu'on dit que Mme Chirac aurait aidé Evelyne Thomas. Ah non, ça c'est des conneries. Mais tu vois Mme Chirac intervenir dans la vie politique française. Franchement. Mais oui. Mais je me rends un peu tenu. Avec toutes les œuvres d'art qu'elle a chez elle. Parce que je me dis à ce moment, dans dedans, on a Michou. Eh ben je vais vous dire, j'ai pensé à un mec. Ah, voilà, vous voyez. Il y était. Je suis candidat. Ça me donnera une occasion de rentrer dans une mairie. Moi, je ne mettrai pas de visage sur Marianne. Ah, voilà. C'est un mythe. Bien sûr. Est-ce qu'on mettrait un visage sur le soldat inconnu? Non. Non, mais on met... Non. Je déconne pas. Tu lui donnes une idée. Trompeau, oui, Trompeau. Laurent. C'est Trompeau. C'est quand même bien dommage que pour quoi? Quand même que, alors que Marianne est censée être le symbole de l'unité d'un pays, oui. La République, mais... liberté, égalité, oui. Fraternité, d'un seul coup, il y a une polémique, un bordel mais autour. Mais qui dit qu'il y a une polémique? C'est le... Mais il est ravi. Mais non. Mais enfin, Monsieur Pinocchio, enfin. Oui. On a fait. Non mais Monsieur. Moi. Je viens dans une émission populaire, populariser mon idée. Et ce soir, je suis avec vous,
je m'en félicite, et les maires qui sont derrière moi s'en félicitent aussi. Voilà. Maintenant, les communiqués Théodule. Je crois qu'ils sont bons. Ils faisaient un temps superbe. Je prie à Omar, Evelyne Thomas. Félicite aussi. En tout cas, vous avez... Ah, elle peut être fière, évidemment. Non, mais attendez, c'est bien pour elle, tant mieux. Mais si moi, je veux garder Laetitia Casta comme... Ben, vous la gardez. Mais alors, c'est incompréhensible, votre système. Vous décidez tout d'un coup, tout seul, avec vos 300 copains... Mais je ne décide pas tout seul, mais je vous dire. Oui. Prenons, dans ce pays, des initiatives. Essayons de faire un petit peu d'animation. Voilà. Essayons... Voilà. Ça, c'est réussi. Allez, on y va. Non, je veux dire... Il y a deux. Il y a deux. Ah, non. Il y a deux choses. C'est un ami, Trampo. C'est un ami. Voilà. Il y a deux choses qui sont... Je la veux, mon buste. Il y a deux choses qui ne sont pas obligatoires dans les mairies, c'est le buste de Marianne et le portrait du président de la République. On n'est pas là. On n'est pas là on pour est faire... là pour déconner. Ah, exactement. On est comme vous, et vous avez bien déconné voilà, cette année. Mais non, on est là pour voir le défilé. Est-ce qu'on peut... Oui. Est-ce qu'il y a dans cette... Dans on est cette... content pour elle, voilà. Voilà. Mais enfin. j'ai peur. Vous avez peur de rien. Non. Mais on j'ai a peur, peur que ce soit vrai. J'ai... Bon. Est-ce que... Est-ce qu'il y a au moins dans cette... Est-ce qu'il y a dans cette assemblée quelqu'un qui est... Qui est vraiment pour. Non, ouais. Allez, une dernière histoire drôle pour la route. Allez, on y va. Alors, on fait un mini sondage. Qui est d'accord avec ce choix d'Evelyne Thomas? Levez-vous ceux qui sont d'accord avec le choix d'Evelyne Thomas. Voilà. Alors, bravo. C'est bien. Voilà, et petit à petit, la salle se lève. Voilà, 3, 4, 5, 6. Non, il y a 7% des téléspectateurs qui sont d'accord avec vous. Mais vous savez combien ça fait, 7% dans le, quand on sait que ça se joue à 500 000 voix? Eh ouais. Oh le démagogue. Ah, il est plus démagogue que tous les politiques français réunis. C'est je suis pas un politique. Ah non, ça, on a bien vu. Alors, si j'étais un politique, je serais au gouvernement. Écoutez, vous savez quoi? Il est mégalo en plus, il est... Ouais. Tant bien mieux sûr. Pour elle. Ah ouais, c'est quelque chose de gentil. Tant bien mieux sûr. Pour elle, on est content pour elle. En plus, elle appartient au service public. Tant mieux pour le service public. Elle nous représente. Même finalement. Si j'aurais aimé, quitte à ce que ce soit elle. Même si moi je le dis au départ, je ne l'aurais pas invité. D'abord, j'aurais pris, jamais pris personne de la télé. Déjà pour représenter la France. Bien sûr. Comment exactement. Vous pouvez que ce soit elle ou une autre. Comment? Déjà. Première chose. Comment pouvez-vous ignorer le fait que les Français passent plus de 3 heures par jour devant la télévision? Eh bien, ils ont tort. Ah ben, ils ont tort. 45 minutes suffisent entre 19h... Il va falloir y aller parce que oui, vous allez une nouvelle fois rater le buste. Et... Le buste. Mais vous... puisque vous êtes joueurs, vous restez avec nous pour le tac à finir. Ah, vous êtes joueur, avouez que vous aimez jouer. Bien sûr. Alors, vous avez joué à ce jeu que vous connaissez peut-être. Oh, que je connais très bien. C'est, ben voilà, il en rêvait de passer dans le Vas-y, trompeau, vas-y, Michel Serrault déclare: je me demande ce qui inspire les comiques aujourd'hui à part. Evelyne Thomas. À part, à votre avis. À part le cucu. Le cul, ouais. Le sexe. Le sexe. Le sexe. Le sexe et le cul. Pas le cul. Qu'est-ce qu'on dit toujours quand c'est pas le cul? L'amour, monsieur, on dit l'amour. Mais non. Le fion. Mais non. On dit pas le cul, on dit le fion. Des blagues, des blagues, on dit des blagues. Le sexe et les cochonneries. Les cochonneries. Le sexe et le cochon. Non, cochonne. Porno, porno. Non, pas cochonne. Toujours cochonne. Oser. Oser. Pardon? Oser. Pas oser, mais non. Ce que disent les enfants. Ils disent quoi, les enfants? Ils disent de pipi et le caca. Des blagues pipi caca. Voilà, merci Jean-Benguigui. Bernard Laporte déclare: je tutoie tous les journalistes sauf Evelyne Thomas. Marc, ça marche bien. On peut la placer dans tous les trucs. Ah, c'est le tac à trampeau ce soir. Sauf Christine Ocrente. Non. Claire Chazal. Claire Chazal. Et pourquoi elle? Elle vous voit. Elle impressionne trop. Bravo Annie, bravo Sophie. Pachi, candidat de la Star Academy. Il a dit Lynn Renault, c'est pas la mère de... De... C'est pas la mère de Stevie. Evelyne Thomas.
C'est pas la mère de Ville Thomas. Non, c'est pas la mère. Mais c'est vrai. Non, qu'est-ce qu'il a dit alors? Lynn Renault, c'est pas la mère de... C'est de pas Renaud. La mère de Renault. De Paris. De Renault, bravo Arnaud Gidoin, ah. Gagné. Écoutez bien la prochaine. Jean-Pierre Chevènement a déclaré, à force d'apprendre... À apprendre, on finit par... Apprendre, apprendre. Non, on finit par... Ressembler, Evelyne Thomas. Ouais, non, pas du tout. On finit par ne... Parce que je donne la réponse. Ne plus rien savoir. Ne plus rien savoir. On finit par ne plus rien apprendre du tout. Ouais, voilà. C'est entièrement truqué ce soir. Ouais. Allez, le dernier t'as qu'à finir. Ah, ouais, et Alain de Greff a dit Mougin, t'es certainement plus brillant que... Hey, hey, on a gagné. On a gagné. Allez, envoyez la réponse. Pas que le lait. Non, que les programmes qu'il propose, voilà, la réponse. Allez, on s'en fout. On s'en fout. Allez, allez. Bah, je vous rends votre femme quand même. Hein. Merci. Voilà. Monsieur Alain Trampoglieri. Oui, Laurent Ruquier. Merci d'être venu nous parler. Merci de tout ce que vous faites pour Marianne. Malgré la polémique de cette nouvelle. Mais il n'y a pas de polémique. Oh non, mais en tout cas, on a bien ri. Allez, on vous remercie, Alain Trampoglieri. Nous, on se dit à lundi, bon week-end sur France 2. Demain soir, Christine Bravo, future Marianne. Et Michel Drucker aussi. Allez-y, tout le monde. Allez, hop, à lundi, bye bye.